Et on est de retour. On s'est arrêté devant un pont avec un mec qui est en train de se taper le crâne par terre et contre sa massue. Ouais. Enfin, c'est Elden Ring, quoi. Au bout d'un moment, on arrête de se poser des questions. Hein. Au bout d'un moment, on arrête. Je me demande si on peut l'aider. Ouh, c'est moche. Bonjour. Ah mais... Ah oui, t'es vénère en fait. Ah mais je peux t'aider, hein. Enfin, je crois. Ah, on va pas être copains, hein. Je sais pas si on peut l'aider en fait, hein. Je crois qu'on va le tuer, hein, à force, hein, mais... Eh bah, il en fait des tourniquets. Bon. C'est pas que tu m'as saoulé, mais... J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. Nécrolimbe. Donc on n'est jamais venu ici. Ah, musique. Donc du coup, marchand. Bonjour. Oh dear. Yeah, mate. Hey, terribly sorry. Are you here as a customer? J'aime beaucoup les marchands dans Elden Ring. Je les trouve cool. Alors, je veux ça. Et je veux ça. Masque de bandit. On a une hallebarde, une épée courte. On a des flèches. On a des flèches, mais on n'a pas d'argent. Je crois qu'on va commencer à être à court de flèches. Oh, I must apologize. I'm afraid I've very little to offer. On va être à court de flèches, mais on peut en crafter, parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment crafté en fait. Alors. Quelqu'un non. Les têtes de troll. Oui, ça va pas un petit peu. Prenez garde au char des moines gardiens du feu, ceux qui arborent des visages de géants. Un coup bien placé sur leur cheminée peut s'avérer dévastateur, mais rares seront les occasions d'exécuter pareille attaque plongeante. Intéressant. Oh! On peut crafter ça. Ouais, il faut chasser des oiseaux, quoi. Flèche empoisonnée. C'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici?
Ah bah oui, mais bon, hein. Faut bien manger. Hein. Alors, on a un cimetière. Enfin. Des pierres tombales. Ah. Et des squelettes. T'es un mage, toi. Ok, rien d'insurmontable. Rien d'insurmontable pour le moment. Ah, là-bas on a une... un camp, apparemment. C'est un bateau ? Ok. On aura tout vu, hein. On aura tout vu. Par contre, je veux d'abord aller fouiller ça. Mais cassez-vous les squelettes. C'est marrant de trouver des nouvelles contrées. Oh merde. Bon, on va voir ce que c'était le bateau là. L'œil. De bête se met à trembler. L'œil de bête, village où vous nécromante. L'œil de bête se met à trembler. Ah, ça c'est pour les fleurs là. Les fleurs mortes là, ou je sais plus leur nom là. Mortuaire. C'est bien ça les faux. Faux mortuaire. Elle doit faire saignement ça. Ouais. Pas mal, pas mal. On peut même l'utiliser. Parce que c'est dans nos stats. Bon, t'es quoi toi? Oh. Oh la vache. Attends, on va faire ça. Ow. C'est marrant, il fait du surf ou quoi? Je voulais me protéger sur le cheval. Vas-y, défonce-le. Ouais, elle fait bien mal quand même maintenant. Elle peut se solo des boss, hein.
Ah, Mortefleur. Bon, bah, c'est lui qui l'avait. Cendre de milicien squelette. Ah. Cendre de milicien. Invoque des esprits. Les esprits de deux miliciens squelettes. Tel est le destin macabre des infortunés affectés par la Mortefleur. Par les Mortefleurs. Bon, bah, le. La bête, elle va être contente. La bête cléric, là. Oh. Faut une clé, on en a. On en a une. Voilà. Tortue. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Enfin, moi j'ai besoin de... Enfin j'en... Allez, j'en ai besoin parce que c'est un RPG. J'ai besoin de la nourriture. Donc on les tue. C'est un peu ça, quoi. Talisman de tortue verte. C'est quoi ça? Accélère la récupération d'endurance. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça peut être pas mal en fait. Très basique. Mais une des choses les plus intéressantes. Même dans les Dark Souls et tout ça, hein, l'anneau vert là qui permet de régénérer l'endurance plus rapidement. C'est tout con, mais ça aide tellement. Donc à faute d'avoir vraiment mieux, pour l'instant on va garder ça. Après on l'a déjà en potion, mais bon. On est déjà en potion là, genre notre élixir, donc est-ce que... Bah, j'en sais rien en fait. Le seul talisman qui serait intéressant, c'est vraiment le truc qui augmente les différentes stats là. Mais ouais, non, mais prendre des dégâts en plus, c'est quand même relou. Sérieux là? Bah allez. Il y a un géant là-bas. On est allé là ou pas? C'est où il y a le mec qui nous avait parlé?
ça là. C'est où il y avait le mec, je crois. Ouais, maintenant il y est plus, il est là. Ah tiens, on devrait mettre... Hop. Pas besoin de... descendre du coup. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Ah bien. Est-ce que... Ah. Merde. Pas le temps, les chiens, cassez-vous. Oh, c'est joli. Je sais pas si c'est les oiseaux hein, qui donnent les serres là. Je crois que ça doit être autre chose. Hein. Je me rappelle pas vraiment avoir tapé des harpies ou des choses comme ça, par contre. Donc je sais pas trop. Hein. Alors... Ah, les pingouins peut-être. Ah ah. Les pingouins. Ah, là, on arrive dans la zone... La zone chelou, là. La zone horreur. Oh. D'accord. Ouais, non, c'est la zone horreur, là. Oh, putain. Oh, la vache. Machin, faudrait que tu viennes m'aider. Putain la salope. Talisman du scorpion sacré. Ouh. Talisman du scorpion sacré. Ça augmente l'attaque sacrée mais réduit la résistance aux dégâts. Ah, c'est toujours la, la merde quoi. Augmente la puissance des attaques sacrées. Ok. Alors, on va peut-être pas mettre ça. Je sais pas quoi mettre, ça me rend fou. Les attaques chargées, tout bête. Église flamboyante. Ouh. Ouh. Ah. On peut faire les deux. C'est bien ça. Ah, on peut faire des répliques de grâce aussi. Putain, on peut en faire des trucs quand même. C'est un peu abusé. Ah, on peut faire des... fléchettes en os empoisonné. Intéressant. Et après, qu'est-ce qu'on a? Pour interrompre la déambulation du mausolée, il faut d'abord nettoyer ses pieds. Non, pas ça.
Prenez garde au char. Non. Des rodeurs uniquement. Je sais pas. Faudrait peut-être que je lise les choses avant. Enfin non, mais non. Bon. Ça, c'était pas un marchand. Bref. Bref, bref, bref. On peut? Non. Alors, ma question c'est est-ce que... est-ce qu'on veut vraiment s'aventurer là-bas? Examiner. Monsieur Godfrey a enfin arrivé au terme de sa campagne. Ses armées dorées, invaincues et insoumises, pourtant la grâce le répudie et s'estompe. J'ai du mal. Ouais, est-ce qu'on veut vraiment s'aventurer là-haut en fait? Graisse électrifiée à Corbeau. Des soldats, là y'a quoi? La mur de braise, Kaelid. Oh. Bah après ça a l'air plus sympa de passer pas... Ouais non, ça a l'air pas plus sympa en fait. Papillon naissant. Ouais ça a pas vraiment l'air plus sympa mais on va dire que c'est peut-être moins hardcore de ce côté là. Tout se gâte, tout n'est plus que putréfaction. Même la terre sur laquelle repose Kaelid et Celia, cité de la sorcellerie. Notre fin est proche. Oh, il y a des squelettes. Oh, il y a un truc derrière moi. Des squelettes, ça? Par contre, ça a beaucoup de vie, ces merdes. Allez, allez, allez. Ouais, mais là ça dit rien qui vaille là en fait, cette partie là. Oh, il y a un château là-bas. Oh là là, c'est horrible. Ah merde, il y a des trucs. Oh, me touche pas. C'est horrible parce que je me dis, ah, c'est pas vraiment une zone super, on n'a pas eu un très bon... un très bon moment avec cette zone. Bon après on était un peu plus enfoncé dans la zone. C'est pas la même chose mais... mais après on trouve un truc encore et on n'arrête pas de trouver des choses quoi. C'est un camp ça. Il y a un coffre. Tout va bien.
Ah ouais, carrément, toi. Putain. Alors? T'en penses quoi, mec? T'en penses quoi? Mon Dieu, mais c'est horrible cet endroit, c'est vraiment horrible. Oh! Ok, faut prendre ça. Ah, y a un endroit pour rester. Hop là. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Il va où? Ouais, il va autour des monstres et tout ça. Il revient. Bon, on a un imprévu. Mon Dieu. C'est quoi ces machins? Tiens, ils sont tapés l'un et l'autre. Yes, je l'ai eu. Flamme des lions rouges. J'ai eu le truc invisible en même temps. Ok. Flamme des lions rouges. C'est de la magie qu'on a eu. Non? Ah non, c'est ça. Octroie des affinités, confiance à une arme, le feu. Flamme des lions rouges, compétence des lions rouges ayant combattu au côté du général Alain, crée une puissance éclosion de flamme dans un arc frontal, utilisant toutes les armes corps à corps. Intéressant. Allez, go pour le... On peut pas invoquer là? C'est pas une zone dangereuse ça? Ouais, merci. Il arrive le machin. Je veux pas perdre mon soldat. Putain, trop tard.
Très bien. C'est derrière moi. Oh mon dieu. Ah ils sont... Putain, je pensais pouvoir passer le feu, mais... Résistant comme... Ouh la vache. Mon dieu. On va prendre l'élixir direct en fait. Je sais pas pourquoi on se fait défoncer comme ça aussi facilement là. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, reste cool. Bien joué. Oh mon dieu, il m'a fait deux coups rapides. Eh ben. C'est pas fini. Ouh, ils sont en train de brûler les chiens, c'est dégueulasse. Enfin, les chiens déjà sont dégueulasses. C'est quoi ça? C'est super cet archer. Oh mon dieu. Dieu, mais tout est là pour moi. Mais j'ai rien pu faire. C'est débile. C'est débile. J'ai juste rien pu faire. C'est complètement con. Putain, on avait plein d'âmes. Fait chier. Enfin, plein de runes. Ah, putain.
T'as, faut qu'on trace pour récupérer nos âmes. Oh mon Dieu. Ils sont à côté de lui, quoi. Je les ai pas pris. Je les ai pas pris. C'est bon. Oh mon Dieu. Oh la pute. Merci. Tu gères. Et c'est pas bon de chevalier. Tu gères. Le tel, tu gères le tel. Ah, tu veux pas venir, saloperie ? Voilà. Grand carreau explosif. Ouh. Qu'est-ce qu'elle commence à être bien, elle ? Enfin, là, on voit quand même l'utilité. Cendre légendaire. Hein. On voit bien l'utilité. Ah, très bien. Oh. Alors, fais voir un peu. Épée de chevalier. Au chevalier talentueux ayant servi les demi-dieux. Vous étiez le long manche permettant de tenir à deux mains. Cette arme a été conçue pour avoir des ennemis de grande taille. Se voir remettre un tel présence aurait sans aucun doute représenté un grand honneur. En taille ascendante. Bon, est-ce qu'on veut aller dans le château? Est-ce que c'est une bonne idée? Ah. Bah, on peut pas. Enfin, attends.
Oh là là. Oh mon dieu. Merci. Putain, merci. Oh mon dieu. J'ai tellement pas envie de... de continuer, parce qu'on a tellement... Enfin, si, j'ai envie, mais on a tellement de... d'âmes, de runes. Oh mon dieu. On a tellement de runes. On va mettre ça, comme ça si jamais on meurt, on les utilisera. Du lion rouge. J'ai besoin de toi là, par contre. Le tel. L'hôtel. Merci, parfait. Ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est du putain de travail d'équipe. Organiser le festival de la guerre. Honneur, j'ai un radar, mais c'est prouesse martiale. Seigneur Jérène, je compte sur vous. L'héritage du fléau des astres. Héritage du fléau des astres, c'est là? Ouais. Augmente la force. Ça fait... 5. De force. Ah non. Fait chier. Attends. Faut qu'on aille d'abord défoncer la bestiole là qui est en bas. Oh putain, elle m'a fait peur. Un objet là. Faut d'abord défoncer la bestiole qui est en bas. Et après on verra. Me fait pas tomber, hein. Pierre, Kali, je sais pas quoi. Aïe aïe aïe. Ah, y'a une échelle là. Tu peux éviter de te faire défoncer aussi. Qatar. C'est quoi cette merde?
assez rapide, hein. Wow. Tiens, non. Tiens, c'est con, hein. Griffe du lion. Merci, Lutel. T'as fait du super boulot. T'as fait du super boulot. Griffe du lion. Alors, compétences, vaillant chevalier du lion rouge qui combattit aux côtés du Germain. Vous bondissez en avant et frappez l'ennemi de votre arme. Avec les épées, sauf les épées d'estoc, les lames doubles, les haches et les marteaux. Cool. Bon, je pense qu'on peut descendre. On a l'échelle. Je voulais voir l'équipement qu'on a. On a eu. C'est celle-là. Je vais voir un peu. Ah, stylé. Stylé, stylé. Bon, faut que tu dures encore un petit moment. Ah, la plus de vie. Faut... Je sais pas si on peut soigner les esprits avec de la magie de foi en AoE. Ça, ce serait un truc à tester. J'ai toujours la branche avec moi. Ouais, va falloir que tu te pousses quand même. Ouais, on peut pas appeler. Alors, attends. On va faire ça au cas où. Ah mais merde. Ah là. Non mais là c'est là d'où on vient, mais je suis con moi. Là du coup on peut remonter. Alors là. J'ai vu qu'il y avait un objet, je sais pas où. Comment on y accède? Genre là. Alors comment on y accède à cette partie? Ah! Oui, tout simplement. Voilà. Ah là, c'est l'entrée. Oh. Ah, pour la porte. Ouais. On a entendu, je suis quasiment certain que c'est ça. Alors, du coup, faut qu'on remonte. Yes. Faut qu'on remonte. Et qu'on aille du côté avec les machineries là. Bon, ici par contre c'est quand même assez chaud. Hein. Attends, on peut passer par là, mais est-ce qu'on veut passer par là? C'est ça ma question.
Ouais, non, c'était là. Hein. Je crois. Mon dieu, c'est vraiment une idée de merde. C'est vraiment une idée à la con, là, ce que je suis en train de faire. Attends, on va faire ça. On va faire ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, l'effigie, c'est où? Ah, j'aurais dû faire le camp. Ah, l'effigie, c'est juste devant. On a 21 000. Ah, c'est con, parce qu'en fait, ouais, l'effigie, c'est juste là, donc du coup... Enfin, quoique, même à l'intérieur du petit périmètre, c'est quand même la merde, hein. Donc bon, c'est quand même dangereux. Ça sert ces trucs. Alors nous on a augmente la force. Du coup ça augmente... Notre résistance. On fera un peu plus de dégâts aussi. Ouais, on peut faire ça. On va aller parce qu'on a encore plein de... C'est quoi ça? Okay. On a encore plein de... De runes. Donc autant aller acheter des trucs. Ou alors augmenter ce qu'on a. Peut-être. Non, je peux pas. I feel like I'm really coming to grips with spirit tuning of late. I can see how and why immortal essence exists. A spirit under the golden order. I can understand their yearnings. What they become drawn to. Master Hugh said it himself actually. That I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the certified spirit tuner. Cool. Cool, cool, cool. Ah, toi, tu veux du fantomatique pour celui-là et ça, c'est mortifère, ok. Révérence. Après, je vois pas trop l'intérêt de d'augmenter les autres avec ça. Parce que, avec celui qu'on utilise, parce que les autres du coup, oui, alors si on peut les augmenter tout ça machin, mais ça sert à quoi? Parce que l'autre elle est super utile en fait. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice. Or a daughter. But at times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Oh. Et merde, on peut pas. On pourrait augmenter l'arc, mais bon. Encore une fois, je... Encore une fois... Je
pense pas qu'on en a vraiment besoin. Voir les pierres de forge 1. Pour les katanas, il faut quoi? Pierre de forge 1, il en faut 6. Ah, c'est chaud. Après, on a récupéré ça, j'ai pas regardé ça. Les cathares, empalement. Dague étrangère pour une poignée unique en son genre. Elle ne fait qu'un avec son porteur, telle l'extension de la propre main. De sa propre main. Ça, c'est ce type d'arme, c'est bien, surtout si on en a deux, j'imagine. Est-ce qu'on prend la force ou pas? Est-ce que c'est bien d'avoir de la force? Après, les attaques chargées, bon, c'est cool, mais la force, du coup, en fait, toutes nos attaques vont être améliorées, parce que les attaques chargées, ça consiste à seulement quelques attaques. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, que les attaques chargées, du coup, hein, évidemment. Mais là, du coup, avec la force, ça augmentera un peu tout. Alors, oh, augmente les emplaçants de mémoire. Ah. C'est vrai qu'on a ça. On peut en prendre un autre. Hop là. C'est jamais perdu. Après, on a ça et ça. Mais on s'en fout. Je dirais... ouais, ça. Et on n'a pas de perles. Toi. You've met Garang, oh. I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. Ah. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Je sais même plus de qui il parle en fait. C'est ça qui est embêtant, c'est que des fois il y a plein de personnages en fait, et les noms je les oublie moi. Imprime l'arbre d'un main droite de sacré. Ouh, c'est bon ça. Sacré est particulièrement efficace contre les non-morts, car ceux qui périssent de cette incantation ne peuvent ressusciter. Le rôle de chasseur est d'éradiquer ce qui souille la raison afin de préserver la perfection de l'ordre d'or. Ça, c'est pas mal, ça. Créer une allégorie de l'ordre qui inflige des dégâts sacrés. Alors, aux ennemis proches, cette incantation est particulièrement efficace contre les non-morts, car ceux qui... oui, ok, ça marche. J'ai bien envie de... ouais, 3000, ouais, c'est un peu beaucoup quand même. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Ok. 3000, ça fait cher, mais est-ce qu'on peut... je sais pas trop. De toute façon, il va rester cool, lui. Il va rester cool, du coup, on pourra revenir quand on aura 3000. Ah, well then. May the Golden Order. Yeah, 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 yeah. Alors, on est reparti. Merde. On était où? Là? Non, ça c'est sanctuaire. Ah tiens, sanctuaire bestial. On va lui donner la fleur qu'on a récupérée. Va falloir que je fasse plus attention en fait sur la map et tout ça, moi. Est-ce que c'est assez? J'imagine que non. Ok. Ah, fronde bestiale. Merci.
pourquoi je vais là à chaque fois. Je retourne au camp. C'était là. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en souviens point. Ouais. Alors, fais voir un peu ce qu'on a débloqué. Est-ce qu'on a déjà de plus de place pour les pouvoirs? Alors, fais voir. Ça, on a donc ça, il faut de la foi et de l'intelligence. Ça a l'air d'être pas mal, ces trucs. On pourra peut-être les utiliser. Genre l'autre, c'est un buff pour l'épée. Ça peut être intéressant. Ouh, c'est... Projette rapidement une multitude d'éclats de roches acérées. Les premières armes dont se servaient les bêtes dotées d'agissants furent des simples pierres. On va voir un peu comment ça marche. Ouh. Ah ouais, c'est tout bête quoi. Ouais. Je vais être honnête, je sais pas si c'est vraiment utile. Enfin, pas pour nous en tout cas. Ça, on va sûrement pas faire de dégâts. Ça c'est des dégâts sacrés. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut utiliser de toute façon. Après ça et ça. Quoi. Pas vu le gros truc là. Mais c'est pas le bon en fait. C'est là qu'on est? Putain, je m'en rappelle pas. Encore que ça charge vite. Pas du tout. Mais c'est pas du tout là, monsieur, voyons. Ah, mais c'est là. Oh là là. C'est sur ces cartes, hein. Sur ces... la carte découverte, en fait. Ah, je sais pas. Dans ma tête, on était dans une zone où j'avais pas la carte. Je sais pas pourquoi. Je ne sais point pourquoi. Bon, c'est toujours le mauvais, c'est là. On y approche, on s'y approche, ça va. Il devrait mettre des... Putain, c'est pas là. Oh la vache. Le nord du Forgel. C'est là. Eh ben. Bon, du coup, comment on va faire, nous? Ah oui, il y a ça aussi. Il y a la téléportation en haut de la tour. On pourrait faire la téléportation. Enfin, d'abord, on va faire peut-être le tour. Je sais pas. Je sais pas. Il est toujours là, l'archer? Putain, il est là. Parfait. Oh mon dieu. Tu vas me dire que l'autre il peut... Il nous a pas lâché? Dépêche. Faut qu'on fasse les deux trucs de feu en fait, d'un côté là. Et par contre, un truc que je voulais faire, c'est ça. Les deux trucs de feu, et après, on va à la tour. Parce qu'il y a un objet en fait. Lutel, j'ai besoin de toi.
Lutel. Lutel. Merci Lutel. Il m'a chopé en plein vol. Merci Lutel de m'avoir abandonné. C'est sympa. Merci beaucoup. Après, j'ai remarqué qu'il y avait un truc dans les Dark Souls, c'est... Où les ennemis, les NPC, tout ça, ils continuaient à taper alors que les monstres étaient morts. Et ça, ça durait très longtemps des fois. Là, là ils sont beaucoup plus réactifs. Pourquoi il a les yeux qui brisent? Parce qu'il m'a tué une fois, c'est ça? Cool. Bien joué. Alors, on a... Donc on a la tour ou alors le bas là. Moi je veux d'abord faire le bas. Non, c'est pas par là. Tain, j'ai oublié de quel côté ils étaient, c'est con là. Là, y a rien. De ce côté-là, je crois que c'est au sud-ouest, peut-être. Putain, mais... Non mais attends, c'est un carré le machin, tu vas pas me dire que... Ah voilà, c'est là. Ah, par contre c'est un peu chaud quoi. Ça va être chaud. Hein. Moi j'ai envie de dire on prend l'objet et on se casse. Enfin on se met déjà à l'abri quoi. Mais il y a plein de squelettes en plus.
Ah, est-ce qu'on les combat ou pas? Honnêtement, pourquoi? Ah ça, il reste plus. C'est quoi ces trucs? Yes. Très bien joué. Va pas dans le feu. Je crois qu'on a récupéré une magie. Pas du tout. Si. Augmente la puissance d'attaque physique et de feu. Oh, c'est la flamme. Renforcement. Crée une flamme intérieure. Ouais, c'est la flamme intérieure en fait. Power within. Qui augmente la puissance des attaques physiques et le feu. Incantation ne brûle pas son lanceur. Son usage est donc prohibé par le gardien de la flamme. Il faut x15. Ça, c'est un truc qu'on fera, je pense, c'est augmenter notre foi. Ah, mais on va le faire tomber, là, si je le backstab. Ah, ça t'apprendra. C'est vraiment bien ce système d'élixir, moi je suis content. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Il en faudrait plusieurs. Enfin non, même pas plusieurs, il faudrait un truc... Je sais pas moi ce que je mettrais. Genre réduction de dégâts, c'est bête que c'est qu'un coup. Le régène il est bien parce qu'il reste très longtemps. Le buff d'endurance, il est pratique aussi. À la limite, ouais, un truc qui fait régène de vie et régène de PC. Je pense que ça serait vraiment le top. Et encore, les PC, on s'en sert pas souvent non plus. Enfin, pas tout le temps, quoi. On n'a pas, peut-être pas besoin, en fait. Allez, on va voir ce que ça, c'est où ça mène. On va voir où ça mène. Quoi? Je peux pas regarder la map. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ça va. Et B. Là, on a quoi? Lancer sur les ennemis pour les couvrir d'huile. Ah, du coup, ça va permettre de prendre encore feu, plus, encore plus feu. Des dégâts sacrés. Et là, on a du poison. Et là, on a poison mortel. Un esprit vengeur. Je sais pas trop si ça sert vraiment à quelque chose de faire du foie aussi. Bon, je n'en sais rien en fait. Pierre 3. Oh merde. Putain, il a une épée enflammée et tout quoi. Non, je crois que c'est une lance.
Comment qu'on puisse pas faire appel à notre copine? Ah tiens, on peut se baisser et se relever en fait pour... Ah, tu m'as vu. Mon Dieu. Oh la vache. Merde. Yes! Ce qui est pas mal avec ce coup, c'est que vu qu'on se... on s'avance et on se recule et tout ça, du coup des fois il se... Oh la vache, merde. Ils vont enlever leur garde en fait. La portée, sa maman. Ils vont, ouais, ils vont baisser leur garde en fait au moment où on peut replonger sur eux et tout ça. Donc ça c'est vraiment, vraiment bien. Du coup donc... Oh mon Dieu, on est là quoi. C'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui tirent. Par contre, on a eu des jambières. Pantalon en cuir, on peut mettre ça. On a eu soldat de Radan. Ah, parfait. On n'a pas plus lourd. Non. Enfin, plus lourd dans le sens où, genre vraiment une armure vraiment lourde. Bon, comment on rentre? Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Bon, ça on peut pas rentrer dedans. Après on a une saloperie de d'arbalétrier là en haut. Obtenir un... Ah non. Oh la vache. Mon Dieu. Ils sont bien faits parce que ils vont... Bien joué. Mon Dieu. Ils vont se mettre en position en fait pour taper. Genre avant que j'arrive à... vraiment à côté d'eux en cheval. Ah, très bien.
Donc ils sont vraiment bons. Hein. L'intelligence, elle est vraiment la plus, elle est mieux. Là, on l'a vu un peu tituber, donc je savais qu'il allait flancher. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de rester là encore. Bon, après, ça donne beaucoup de runes. Ça donne quand même masse runes. Oh merde. Sans déconner, quoi. Me chercher. Fallait pas me chercher. Aussi, tu mérites des baffes. Parfait. Fouh. Nébé. Là-bas, ouais. Chauve-souris. Elle met du temps à vouloir s'envoler. J'espère qu'à faire tout le tour comme ça, on a... Il y a encore des chauves-souris. Ah, très bien. À faire tout le tour comme ça, on va avoir un cadeau parce que... Ah, j'aurais dû me soigner, quel con. Avec le peu de PC qui me restait. Oh mon dieu, non. Ah, mais attends, je peux le faire avec... Voilà.
Je sais pas ce que c'est à droite là, une statue ou un moine, on dirait un moine. Parfait. Frappe ardente. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, c'est horrible. Ah mais c'est une reine... Très bien. Ouais, c'est une reine chauve-souris machin. Là. Pouf, la vache. Alors, frappe ardente. Alors... Projetant un arc de flamme face à vous, enchaînez avec une attaque puissante, effectuez une frappe large, imprégnez votre arme de feu. Ouh! Ça c'est pas mal ça, du coup ça serait... On pourrait imprégner notre arme de feu automatiquement. Oh merde. Ça c'est vraiment pas mal, ça c'est bien des trucs comme ça. Du coup, pas besoin d'utiliser d'objets, pas besoin d'utiliser une incantation, tout ça. Donc ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Bon après, bon, pour nous c'est inutile, hein, parce qu'on peut pas... Oh putain, c'est quoi ces armes? Il y a des boucliers. Château du Lion Rouge. Oh, c'est trop chelou. Heureux qu'on les one shot hein, quand on fait ça. Encore heureux. Ah, mais ouais, vraiment cool ça, le feu. Mais c'est un peu embêtant, ouais, non, on peut pas changer. Enfin, on a une attaque tellement pétée. C'est pour ça qu'il nous faudrait peut-être une autre arme en plus. Mais bon. Je vais être honnête, moi je suis très satisfait de notre arme. Alors... Mon dieu. Mon dieu, la portée. Voilà, parfait. Très très satisfait de notre attaque. Eux ils sont dangereux hein, parce que eux, ils peuvent contrer aussi. Oh, il y a un gros truc là-bas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air très moche et très gros. Alors, comme d'hab quoi. Par contre, moi je vais être un peu occupé, je vais devoir m'arrêter et on n'a toujours pas trouvé de lieu pour se reposer. C'est un peu abusé. Attends, tu vas me dire que ça, tout ça, c'est des mecs?
Allez. S'il me balance des cailloux. Ah mais c'est des prisonniers, ça va. Par contre je voudrais bien... merde. Je voudrais bien ouvrir la porte en fait. Parfait. Bon, j'ai envie de dire qu'il dormait bien quand même. Mais là, on n'a pas un feu, rien. Vous êtes peut-être un peu abusé là, non? Ou on est reparti encore dans le délire ou le truc qui s'arrête jamais là, le donjon. Qu'est-ce que c'est que ça? Fouh, là 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 là. Peut-être dans cette direction, du coup. Putain, évidemment que c'est des... Évidemment que c'est des explosifs. C'est fun. C'est fun. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, j'ai pas mon élixir, on peut pas invoquer l'autre, je sais pas pourquoi. Genre il y a pas de zone dangereuse ici. Il y a pas de zone dangereuse, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a pas du tout de zone dangereuse, c'est cool. Après on peut peut-être les gruger à l'arc, je sais pas trop. Mais ouais, c'est un peu abusé là. Mais c'est cool, mais c'est, honnêtement c'est fun, hein. on a 22 000 runes. Ça marche plutôt bien. C'était quelle flèche empennée. Donc on a... L'ajout d'un empennage augmente la portée du projectile. Là. Ça nous fait 17. Maintenant on peut en faire combien parce qu'avec les os, ouais 18 en fait. Ah mais c'est x 10. On peut en faire comme ça 10. Ouais. Comme ça. Hop. 99. Très bien. Et après on a des flèches normales. On peut faire des flèches 35. 35. Flèche de saignement. Flèche fragmentée. Animal point de conscience avec la cristal. 25 de dégâts pareil. C'est quoi la différence? Ah non, c'est là encore moins fort en fait. Bizarre. Après des flèches poison, oui, ça peut être sympa, mais accumulation de points 60. Je sais pas. Je sais pas si c'est utile pour nous. On devrait peut-être faire des flèches de sang. Je sais pas trop. On va finir nos flèches et après on fera le feu et le sang.
J'imagine que le sang c'est pas mal parce que... Genre on commence en fait à faire du saignement quand on tire à distance. Et quand ça arrive, bon si c'est pas mort ou proche de mort on tuera pas. Mais du coup quand on va taper avec notre épée on fera encore du saignement. Donc le saignement arrivera plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la limite c'est ça qui est sympa. Bon, on va s'arrêter là. À la prochaine, ciao ciao. Le château du Lion Rouge. Et nous sommes repartis. Car ça a duré un peu longtemps. Cet endroit. Mais j'aime bien, mais... Mais ouais, ça sent la merde. Alors... Alors, on a une bonne une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en vie. Putain, on a 22 000. La mauvaise, c'est qu'on est un peu bloqué ici. Alors, attends. Analysons la situation. Donc, on a une porte à gauche. On sait pas ce qu'il y a dedans. On a deux chiens de la mort ici. On a ça là. Ouais, enfin on n'a pas vraiment besoin de... On n'a pas vraiment besoin de soins en fait. On a juste besoin de genre d'un... De notre copine. Alors... On a besoin de notre copine. Ok. Manuel d'armurier. Manuel d'armurier. Parce que, en fait, je fais vraiment jamais attention. Oui, manuel d'armurier, de quoi c'est une fabrication. Ah, ça? Consomme des PC pour y avoir davantage de messages d'autres mondes. D'accord. Je crois que ça peut donner des messages supplémentaires que le jeu a écrit. Enfin, que les devs ont écrit. Je pense. Ou alors ça refresh les messages en ligne. Mais ça m'étonnerait. On m'explique pourquoi je peux pas taper? Qu'est-ce que... Allô? Le R1 ne marche pas, le R1. Il n'y a que le R2 qui marche. What? L1 ça marche? Le R1 il peut pas marcher? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, ça c'est la souris, ça marche. Ah c'est bon. C'est bon. Bizarre. Est-ce que moi je veux bien... Enfin quoi que... Je veux pas vraiment les combattre en fait seul. Parce que ils sont coriaces, c'est cool. Enfin un. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Ah bien joué. Être obligé hein. Alors après est-ce qu'on peut pas en pool 1 qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? On n'a pas grand chose.
pas grand chose. Après on peut essayer dans pool 1. Moi je dis on essaye dans pool 1. Ah ils font chier de... Normalement ils vont pas venir en même temps si on tape 1. Putain ils vont exactement au même endroit à chaque fois, c'est relou. Lui il a les yeux qui brillent et l'autre non. J'aurais pas dû tirer. Ok, ça va. Il a pris la flèche. Pourquoi il y a les deux? On allait le tuer, hein. On allait le tuer, hein. Honnêtement, c'est vachement bien de pouvoir bouger, tirer, viser comme ça. Je sais pas pourquoi il est venu l'autre. Ouais non, peut-être que on en a gros un. Enfin, on commence à taper un et l'autre vient. On peut faire le tir puissant en première personne, apparemment, peut-être que oui. Je crois qu'on peut. Ouais. Ouais, on peut faire le tir en... Le tir chargé en première personne, ça tue. On l'a eu ? Non, toujours pas mort. Oh mon dieu, l'autre est presque mort, quoi. Trois flèches. J'avais oublié.
Ah, enfin. Pas mal. Bon, je me dis que lui, lui devrait passer en normal, au combat à l'épée. Mais bon, si ça se passe mal, on a même plus de soins, quoi. Il est bien à gauche, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça va être relou. Ah, il a vraiment pas beaucoup de vie. Hein. Mon Dieu, on est bon. Ah, ils font peur ceux-là, hein, putain. Ils font bien peur, hein, putain. Les trucs, ils sont trop vivaces et tout, quoi. Là, on a plus de soins, plus rien. Mais en 3 secondes, il peut nous tuer. Hein. En 3 secondes. Oh là 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 là. Stressant tout ça. Voilà, pleine tête. Ouh. On a récupéré 3 fioles de soins. Bon, on avait vu que là, on a récupéré l'objet, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on est un peu très limité en fait. On est un peu très limité. Donc on va faire gaffe. Là, ça devient un peu dangereux. Pas la joie, hein, ce château. Ok, là on a un passage.
Merde, non, c'est juste des sacs. J'ai cru que c'était une bestiole. Il y a un portail là. L'utilisation impossible. On le marque ou pas? On va le marquer. Là, c'est un lance-flamme. Je sais strictement pas où je vais. Hein. Là, on est en pleine infiltration dans le château. Hein. Je sais pas. Je voudrais juste un endroit pour me reposer, quoi. Oh merde, t'es sérieux? Après, ceux-là, ils sont pas très très dangereux. Le pire, c'est quand on est dans la... Genre, quand on essaye de faire très attention, qu'on joue très mal. C'est ça, le pire. On a eu la flamberge. C'est le même système que les espadons, tout ça, sauf qu'elle, elle fait du saignement. Ouais, c'est quand on essaye de faire attention que, en fait, on joue mal. Genre, il faut pas voir notre vie, en fait. Le mieux, c'est de pas voir notre vie. Comme ça, on est toujours à se concentrer. On n'a pas besoin de... On fait pas attention. Parce qu'à chaque fois, faire trop attention, c'est mauvais. Parce que eux, normalement, on les défonce, quoi. Sans problème. Là, on a failli mourir, quoi. C'est bien. Je vais pas regarder dehors. On a encore une fiole de soins et un peu de PC, c'est tout. Je me demande si c'est vraiment... Est-ce qu'on pouvait aller autre part encore? Ouais. Oui. Des trucs là-bas. Oh, à droite, vous voyez? On a un endroit pour se reposer. C'est bon. Thank you.
Oh merde. Ah, il y en a un sur la gauche aussi. Enfin, sur la droite, pardon. Très bien. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas utiliser les armes des autres. Ok, voilà. Yes. Yes, yes, yes. Parfait. Alors on va pas le... On va pas le rester. Alors je sais qu'on a 42 000, mais là on risque plus rien en fait si on meurt. Donc là du coup c'est le boss. Donc on va un peu se balader encore, parce que vu qu'on a vidé pas mal de trucs. Oh, il y a un truc là. Alors vu qu'on a vidé l'enceinte carrément, on va continuer à se balader. Mais au moins maintenant on peut revenir. Alors ça on a fait, là-bas aussi, il n'y a plus que là. Enfin on continue quoi. Qu'est-ce que j'aime bien, le fait que on consomme pas d'endurance quand on sprint, quand on n'est pas en combat. Qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. Pour un monde ouvert, c'est top. Ils ont tellement bien géré leur jeu, quand même. Faut le dire. Oh, il y a encore un de ces trucs. Attends, tu peux me toucher si je suis en haut? Ah, merde. Ah merde. Putain de merde. Il y en a combien des machins là? Ça te prendra toi. Ça prendra à être con. T'as qu'à acheter un cerveau aussi. Voilà. Très bien. Là, c'est le chemin d'où on vient. Là, c'est le bûcher. C'est un vrai traquenard en fait, parce que en fait, c'est... on voit la grosse bestiole, on se dit ah tiens, on va monter ici, se mettre à l'abri. Ouais. Ouais, t'as quand même 5 soldats en haut quoi. Un peu de lumière parce que
Parce qu'il y a là. Ok, chevalier. Lame d'affûtage incandescente. Ça sert à quoi déjà les lames ? Affinité d'armes. Pour faire c'est une affinité d'armes. Feu, pyrotechnique. Ok. Ok. On est bon, on est bon. J'ai toujours peur que quelqu'un me pousse. Alors, toi, je te sens pas. Venir. Oh merde. J'arrive pas à le cibler. Ah, voilà. Une différence aussi, c'est que l'arc, on le brandit haut, alors que l'arbalète, on la garde à la hanche en fait quand on tire. Je crois que sauf si on peut-être on la prend à deux mains. Peut-être qu'on vise, mais ça aussi, lui il tirait dans le mur, moi je tirais par-dessus le mur. Alors. Ouais, on va faire ça. Très bien. Lui, par contre, il va être relou. Lui, il va être très relou. Il m'a tué! Le fils de pute. Le fils de pute.
Merde, charge lourde. On est bon ? Charge moyenne. Ça, y a pas la grosse truc, non ? Si. Merde. Sur la droite. Ça va, nos âmes sont juste là. Enfin, nos runes sont juste là. On va pouvoir mettre des armes en favori. Pour l'autre, on va mettre le... On va mettre le... L'élixir. Mal. Ouais, bon. Fou. Ah, c'est du... C'est pas de la tarte, lui, hein. Il sait combattre, lui.
Par contre, il m'a droppé une armure du lion rouge. Ah oui, nous on avait lion rouge, tunique du lion rouge, et là on a l'armure du chevalier du lion rouge. Ça peut être pas mal d'avoir ça, mais on est un peu lourd. On est un tout petit peu lourd. Bon, on va avancer. On va regarder s'il n'y a pas autre chose pendant que j'ai le buff là. Là c'est où c'est qu'il y a le boss, donc c'est juste en bas pour revenir. Après là on a un chemin, il n'y a rien. Là on a quelque chose. Non. Non plus. Non plus. Non, je pense qu'on est bon. Ah! J'avais pas vu le machin là en haut. En haut de la tour. Comment on y va à la tour? À moins que ça soit le boss. Non, c'est pas le boss. Bah non, ça m'étonnerait, on pourrait pas le target. On peut te faire venir. Ah. Ouais, non, toi t'es en embuscade en fait. T'es en embuscade et tu descends juste devant. Ouais, d'accord. Non, non, on peut pas aller là-haut alors. Ouais, non, tu sers à rien. Puis en plus, la porte, elle est fermée. Enfin, attends, y a pas un système pour l'ouvrir ici? Genre un système en hauteur? Genre un levier? Pas impression. Ah, tu peux rien faire, hein, mec. Bon, allez, on y va. Voilà. Alors, fais voir. On va, déjà on va voir si on va pouvoir tuer le boss. Mais avant ça. Bon déjà je voudrais prendre des niveaux. Ouh, c'est bon ça. Ah ça va nous aider pour l'armure. Yes, on est toujours en charge moyenne. Et ben voilà, ça commence. On porte l'armure la plus lourde qu'on ait en fait. Ah sinon on peut prendre ça. Codric. Et après. Après je crois qu'on a. Ah si on a plus lourd. C'est comment. Voilà. Là, on aurait 37 avec ça. Et si on fait ça, on aurait 36. Donc, c'est mieux de changer ça, en fait. Équilibre 37. Voilà.
Je me demande à quoi ça servait d'avoir un bouclier là devant comme ça. C'était bizarre. Allez, l'heure du boss. On va voir si on peut le faire parce qu'on est quand même dans une zone super haut niveau. Alors déjà c'est pas ça que je veux faire. Tu veux prendre l'aggro, s'il te plaît? Merci. On a un deuxième. Merde. Putain de merde. Bon, ça va. J'ai merdé un peu au début, hein, tout ça. Non, ça va, on devrait être bon. En fait, on peut spammer, je pense, le démon au début, là. On peut vraiment le défoncer très vite. Donc, ça devrait aller. Après, le chevalier, ça va être autre chose. Maintenant tu prends l'aggro, merci. Oh la vache. Prends l'aggro. Il fait mal, hein. Prends l'aggro. Lutel, merci. Ça, c'est un bel échange, mais on a eu plus mal. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ok. Lutel, va falloir que tu fasses un peu mieux, honnêtement. Waouh, il a une queue de dragon et tout. Lutel, il va falloir que tu viennes. Après on pourrait le parer, hein. On peut essayer. Hein. On a tellement pas de vie en fait. Mais c'est pas mal ça, avec du bout de l'épée. Merde. Mal esquivé. J'ai envie de tester le sang là. Qu'on pourrait balancer, recouvrir le mec de sang, voir si ça excite Lutel ou un truc comme ça. Après, je pense qu'on peut le parer lui.
Mais bon, encore une fois, il fait très mal. Hein, donc bon. Hein. Est-ce qu'on prendrait pas une seule astuce? J'en sais rien. De bleu là. On va aller récupérer nos... Oh putain, arrête de te faire bolos dès le début. Dépêche, j'ai pas d'endurance. L'autre il va me tuer. Non, on a eu de la chance. Mon dieu. Putain. On l'a loupé, bien joué. Ah, il est un peu chaud lui. Lui il a déjà il a endurance infinie et lui il a stabilité infinie surtout. Chevaler sur ma gueule. Bon, on a perdu nos âmes. Après, ouais, non, il faut juste le bourrer comme un con, hein. Et pas tortiller. Hein. Ouais, peut-être à la limite j'aurais besoin d'une seule astuce bleue, parce qu'on va peut-être pas vraiment faire de magie. Oh là là, putain, il est en... Très bien. J'ai pas refait mon... J'ai pas refait ma fiole. Putain, comme il fait de coups le truc. Merde. Je pensais pas qu'il allait faire un enchaînement. Putain, il fait beaucoup d'enchaînements. Il est vraiment très chiant quand même. Hein. Il a vraiment différents enchaînements et mix en fait d'enchaînements. C'est vraiment relou.
Eh ben... Espadon des ruines. Eh ben putain, il était chaud lui. Il était chaud. On peut le faire tomber, hein. On peut le faire tomber apparemment. Mais il était bien chaud. Oh la vache. Alors on a eu un ultra méga espadon là. Onde destructrice. Alors, les ruines dont elle est issue proviennent d'un éboulement causé par l'impact d'une météorite, d'où sa puissance destructrice. Ouais, c'est moche. Ouais. Ça, c'est bête. Il y a des boss comme ça où ils vont donner des armes qui ont strictement rien à voir en fait avec. Avec eux, avec ce qu'on a combattu en fait. Et ouais, bah là, ça, on s'en est à preuve. Là, on a point incendiaire et là, on a quoi? Point incendiaire du lion rouge. À lancer sur les ennemis, c'est du lion rouge là, c'est pas pareil. Intéressant. Ah, ça, ça utilise un pot rituel. J'ai testé ça, ouais, je sais pas trop en fait ce que ça fait, j'ai envie de dire, ouais, je sais pas vraiment. Apparemment, ça l'énerve pas plus que ça, enfin, je pense que c'est pour se concentrer sur un ennemi en fait. Je pense que c'est pour forcer l'esprit à se concentrer sur un seul ennemi. Encore il y a la bataille, recours au feu pour combattre la purification carbone. Mais ouais, c'était pas mal comme combat. Sacré, vitalité. C'est quoi là? Attends, hop, communication. Alors, immunité, c'est résistance au poison, putréfaction écarlate. Résistance, saignement, congélation. Là, c'est sommeil et démence. Là, c'est résistance à la malmort. Plus la variété, plus vous avez les chances d'éviter la mort instantanée. Déterminé en fonction de vos attributs, vos équipements défensifs, vos effets passifs. Ok, ça marche. On va faire force jusqu'à 20. Pour pas vraiment de raison, mais on va le faire. Pas vraiment de raison. Mais ouais, ça va, ça a pas duré très longtemps le combat. On le faisait pas mal de dégâts. Encore une fois, grâce à notre arme, on arrive à surmonter les choses. Ah, on peut pas attaquer ici. C'est comme à la table ronde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Dans un endroit pareil, il y a eu un morceau genre de d'arrêt à la violence. Tellement bizarre. Allez, on va rentrer. Ou alors peut-être que la table ronde elle se trouve là en fait. Une porte à droite. T'es qui toi? Oh, tarnished are you? How did you slip inside with the gate closed? No matter. If you can fell one of them, you're a champion in my book. I am Jaren, foolish old warrior and witness. Incidentally, do you like a good festival from time to time? Well, it's true. This fortress houses only the vanquished. But when the stars align, we celebrate.
A war festival honoring the last battle and death of General Radahn, the mightiest demigod of the Shattering and bearer of a great rune. Ah. J'adore les festivals. Well, good. As you should. The festival affords glory to warriors. Then all you need is a little patience. When the stars align, the festival will be declared. Ouais, mais c'est quand? Have patience. When the stars align. Ah, d'accord. Ouais, merci. Tu m'aides pas vraiment, toi. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Bon, bah, ok. Bon, bah, on a pris contrôle du château. Ah, j'ai pas récupéré mes âmes, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, elles étaient à zéro. Toi, du coup, je vais te marquer NPC. Bah, on se casse. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Ouais, non, on se casse. C'est un téléporteur. Château du Lion Rouge. Oui, c'est vrai que nous, on s'est retrouvés là par un téléporteur, en fait. À la base, on était là. Je crois. Bon, on va continuer ici. Après, ouais, je... Je pense quand même que notre niveau est pas assez élevé pour cet endroit. C'est pas vraiment là en fait. Non, c'est pas vraiment là. C'est là. Fort. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On repart au nord? On va voir un peu ce qui se trame là-bas. Genre est. Plein est. Ok, il y a une bestiole qui est juste derrière nous. Normalement ils vont se mettre sur la gueule, non? Ou pas? Prendre le coffre direct. Œuf endormi. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas regardé quelle catégorie ça se trouvait. Voilà. Ah oui, d'accord. En chassant des chouettes. Ah, ils sont en train de regarder ce que c'est en fait. Ah, ils font leur boulot en fait, hein. Ils sont pas trop zombifiés les machins là. Oh mon dieu, oh non, il y a ça encore. Oh la vache. Ah, là on a un scarabée. J'aurais bien voulu pouvoir marquer en
en visant. On va faire le scarabée. Et honnêtement, on va se casser de cette zone. Parce que ça me tape un peu sur le système. Point sangu. J'en suis, pardon. Je passe pour un con, merde. Bah, j'ai l'habitude. Parfait. C'était un truc de... d'armes, hein, c'est ça? Ouais. Alors... utilisable sur les poings et les griffes. Compétences prouvant de grande maîtrise d'énergie vitale sur l'utilisateur. Concentré pour donner un coup de poing lent, mais imprégné d'une énergie qui plonge les ennemis dans l'inconscience et draine leur PV. Ne fonctionne pas sur les ennemis humanoïdes. Ne fonctionne que sur les ennemis humanoïdes. Ah, c'est le grab de, dans Dark Souls 1, là, avec la main. Vous absorbiez les âmes. Putréfaction écarlate fleurie. C'est bien un marchand. Come, trade in our wandering emporium. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Oui, oui, mais ouvre ton truc, quoi. Ouh, t'as des flèches de feu. Pierre empoisonnée, c'est sûr même que les poisons. T'as pas trop de trucs intéressants en fait. Enfin, si, ouais, oui, t'as des trucs. Ouais, rares, mais. Ouais. Ah ouais, ben là on arrive au ouais à l'endroit où on était. Ouais, là on a commencé à arriver, ouais. Après, ici c'est où ici exactement? 5. C'est loin, hein, parce que je voudrais bien voir la carte. Donc si on peut... oh! On l'a celui-là? Oui, on l'a celui-là. D'ivoine. Ça doit être la carte. Voilà, très bien. Quelle idée. Oh, magasin. Attends, d'abord on va regarder la nouvelle carte Kaelid. Ah, voilà. Déjà, c'est un peu plus... c'est un peu plus facile. Équipement de champion... on a ça, un pot fissuré. Ah, là on a un truc, c'est quoi? Pour en savoir, il faudra la mettre à main à poche. Hop, c'est note de quoi? Avantage gravitationnel. Fais voir. Avantage gravitationnel. Les pouvoirs gravitationnels d'attraction peuvent amener les ennemis volants au niveau du sol.
Ok. Ouais, c'est marrant parce que t'achètes des conseils en fait. C'est marrant. Carreau enflammé. Alors on a ça. Après, je me demande si on peut pas prendre le casque à la limite. À la limite, le casque. Fabrication d'objets. Tiens, honnêtement, ça peut-être. Enduit l'arme qui en fait un saignement, ok. Maintenant, on peut faire plusieurs points incendiés. On en a deux maintenant. Allez, faut voir le casque. Ok, le casque est sympa avec ça. Donc, je voudrais bien. Si on fait ça, charge moyenne. Ouais, moi je veux bien continuer comme ça parce que le casque c'est stylé. Le casque est stylé. Après, je sais pas si on gagne en. On avait quoi 30... Là, on a 31 équilibre. On a combien en défense en tout? 31 équilibre, 97. Équipe 87, on avait 24-25. Ouais, non, on perd. Hein. On perd autant. Ah ouais, non, c'est les jambières en fait qui sont. Bah merde alors. Bah, pour le moment, on reste comme ça, mais quand on va augmenter de niveau. Mais attends, c'est pas le même casque ça. Moi j'utilisais ça. Ouais, mais en fait, c'est ça le mieux. Maintenant, je peux mettre ça. Ah, voilà, ok, d'accord, je comprends. Ah non. Désolé, perdu. Je suis perdu. Ouais, il faudra encore un peu plus d'endurance pour qu'on puisse porter le casque. C'est quoi ça? Ah ok, c'est bien ce que je pensais. Ça ressemblait à des pantins, mais j'étais pas sûr. Oh mon dieu, donc là j'ai ma réponse. C'est bien des pantins partout en fait. Par contre lui il est bleu. Oh. Bon allez. On va se casser d'ici. Donc on a fait ça, on a fait ça. Voilà. On va voir un peu ça. Là on retombe, enfin on retourne dans la direction du nord. Donc ça devrait être plus simple.